Et comme tous les jours, ce son de basse que j'adore m'indique que nous sommes avec Pierre Dezereau de Pure Média. Bonjour Pierrot. Bonjour Philippe. Vous avez branché votre ampli. Exactement, c'est on bon. On va commencer avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision? Et hier, c'est TF1 qui s'est classé en tête des audiences de la soirée avec deux nouveaux épisodes inédits de la série Camping Paradis. 3 800 000 fidèles étaient au rendez-vous de la série avec Laurent Ronac, 18,2% du public. C'est un score en hausse par rapport aux précédents inédits de la série. La deuxième place est pour M6 qui n'est pas très loin derrière avec la suite de la saison 14 de L'Amour est dans le Pré, l'émission présentée par Karine Lemarchand. C'était déjà la sixième soirée hier et 3 500 000 fidèles étaient au rendez-vous, 17,2% du public. La troisième place est pour France 2 avec de nouveaux épisodes de The Bay. La série policière britannique a été suivie hier par 2 500 000 Français, 11,7% du public. Enfin, France 3 est quatrième au pied du podium, la 3 qui proposait une soirée consacrée au championnat du monde d'athlétisme de Doha. Pour l'occasion, la chaîne a mobilisé son antenne dès 20h et supprimé le traditionnel épisode de Plus belle la vie. Et de 20h à 22h30, 1 700 000 personnes ont suivi les athlètes sur la 3, 7,6% du public. A noter que du côté des autres chaînes, France 5 atteint le million de téléspectateurs avec le Doulos, le film avec Jean-Paul Belmondo. Exactement, un film en noir et blanc de Jean-Pierre Melville. J'aurais jamais cru que le Doulos fasse un million. Voilà qui me réjouit. C'était hier une journée particulière, Pierre, puisque les grandes chaînes avaient modifié leur programme pour retransmettre la cérémonie d'hommage à Jacques Chirac. Oui, dès midi, une cérémonie solennelle s'est tenue en l'église de Saint-Sulpice à Paris. Si la cérémonie a duré globalement de midi à 13h, les chaînes avaient cassé leur antenne beaucoup plus tôt pour leurs éditions spéciales, dès 9h10 sur France 2, à partir de 9h30 sur TF1 et un peu plus tard sur M6 à 11h15. France 3, elle, a couvert l'événement entre 11h50 et midi 50. Alors entre midi et 13h, sur TF1, France 2, France 3 et M6, il y avait 2 900 000 personnes sur TF1, 2 300 000 sur France 2, à peine 200 000 sur M6, donc c'est vraiment, pour M6, il y a vraiment un problème d'identification sur l'information. Et en ce qui concerne France 3, 1 100 000 personnes étaient au rendez-vous. Merci beaucoup Pierre Dezereau, à demain. Europe 1, Culture Média. Philippe.